Coucou tout le monde, alors je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto de la petite tête de loup qui m'a été beaucoup demandé. Donc pour ça vous allez avoir besoin de blanc, moi j'ai fait l'adhésion en bleu, mais vous pourrez prendre une autre couleur, hein, et un tout petit peu de noir. Il vous faudra aussi des pastels, enfin de la pastel grise. Moi j'en ai pas, donc je vais mélanger du blanc et du noir, mais après c'est pareil, vous pouvez prendre une autre couleur. Et au niveau des outils, c'est ce que je me sers à chaque fois, c'est cette fois-là. Donc on prend notre pâte blanche et on la malaxe. Donc je laisse une partie du blanc de côté, pour les oreilles et les yeux. Et avec l'autre partie, on va former le museau et le reste. On creuse les yeux. On fait les oreilles, donc deux triangles. Avec le reste, on fait déjà un boudin. Ensuite, on prend notre bleu. On lui a formé les yeux. Et ensuite, il n'y a plus qu'à texturer le tout. Maintenant, on va pouvoir passer au pastel. Et on applique sur tout le contour. Bah, moi, j'en mets pas au centre, mais après, vous faites comme vous voulez. Ça va à peu près. Si ça va pas, rectifier tout de suite avec du dissolvant. Et ensuite on va pouvoir passer au noir pour le museau. Donc on fait un tout petit triangle pour mettre au bout du museau quoi. Et on vient aussi faire les pupilles. Et donc voilà le résultat final. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous me montrerez le résultat sur Instagram, Facebook, enfin où vous voulez, comme d'habitude quoi. Je serais vraiment super contente de voir le résultat du vôtre. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto ou même une nouvelle vidéo. Bye bye.